Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Vous n'êtes plus à présenter. Mes frères et sœurs, vous êtes venus aujourd'hui pour présenter la troisième ordonnance et puis les médicaments que vous avez achetés à la suite de ça. Quand vous êtes venus, Papa Florian vous a donné les moyens pour pouvoir acheter ces médicaments grâce à tous ceux qui donnent, sans compter à cœur joie, toute personne d'ici. Toute personne de l'extérieur touchée par votre cas, qui ont fait parler leur cœur, c'est grâce à eux aujourd'hui que cette troisième vague de médicaments a été donnée. Je vois des flacons de 18 500 x 3, je vois des 15 500 x 3, avec des sérums, tout ça, c'est pour la troisième séance, c'est ça. C'est pour la troisième séance, et il y a 6 séances. On rappelle, il y a 6 séances, on rappelle, ça c'est la troisième séance. Aujourd'hui, vous êtes venu faire bénir ça par l'homme de Dieu avant l'utilisation. Voilà. Vous allez nous donner un peu les nouvelles, l'état d'avancement, l'état des lieux, pour qu'on soit sur le même niveau d'information. Soyez bénis. Voilà. Comment les choses avancent de votre côté? Comment ça va maintenant après ces 2 séances de traitement? Ça, de c'est la troisième séance. Oui. Et puis... Je suis étouffée, il y a mal de mes côtes là. Ça va. On sent que le ventre est en train de s'affaisser. Il faut se lever un peu, on va voir. On sent que c'est en train de s'affaisser même. Voilà. Faut te lever un peu. Toi. Voilà, lève-toi un peu. On sent que ça descend. Voilà. Ce n'est plus dur comme avant. Ce n'est plus dur, c'est mou. Hein? Oh, c'est mou. Avant c'était dur, alors que maintenant c'est mou même. Hein. On sent que c'est en train de s'affaisser, de descendre. Donc tu n'es plus étouffé. J'arrive à bien manger, marcher, dormir. Maintenant il peut boire l'eau. Maintenant, peut... là, avant là, il n'arrive pas à boire. À boire l'eau? Quand je bois l'eau, je suis étouffée. Étouffée, serrée. Et vous rendez souvent? Oui. Maintenant, vous arrivez à boire l'eau. Oui. Maintenant, vous arrivez à marcher, faire de longues distances quand même. Hein? C'est ça. Vous arrivez à supporter quand même ce poids, alors qu'avant, c'était impossible. C'est ça. Ça veut dire que les choses avancent. Ça veut dire que Dieu se souvient de tous ceux qui font parler leur cœur ici. On va donner la parole à votre frère qui est à côté. Il veut ajouter quelque chose. Il a l'ordonnance qui est dans sa main. C'est l'ordonnance plus le reçu. Le reçu des médicaments. Voilà. Alors, on va filmer d'abord l'ordonnance. Voilà. On va filmer d'abord l'ordonnance. C'est ton nom qui est quoi? Dieu adjoint. Hein? Oui. Ça, c'est le reçu des médicaments qui ont été achetés. Hein. Après achat, le reçu. Après achat. Voilà. Bien. Voilà. 140 470. Hein. C'est ça. Montant versé 145. Je rappelle que, additionné à ces frais, il y a les frais de transport qui ne sont pas mentionnés. Hein. Ah oui. Et puis, il y a les frais de nourriture. Que le ministère donne. Donc. Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, je réitère toujours. Moi, je n'ai pas d'où je vais dire. À chaque fois que je viens, c'est le merci. Le merci parce que c'est. Bon, c'est un ministère de Dieu, mais c'est devenu une eau sociale. Ouais, c'est une eau sociale. Voilà. Ouais. C'est pas donné à tout, je l'ai dit à chaque fois. C'est ce qui m'a beaucoup animé à. En tout cas, avoir beaucoup confiance tout de suite. Confiance. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. C'est pas donné à tout le monde. Même ceux qui en ont plus ne font pas ça. Ils font pas ça. Mais le cœur de la personne, déjà, ça motive déjà. Parce que vous savez, la maladie, c'est pas seulement les médicaments, les soins seulement, mais le côté mental. Le côté mental, le côté moral, ça fait que... Vous avez le premier témoignage, elle a dit même, maman, elle voulait se donner la mort parce que... Elle souffrait. Mais quand elle est arrivée ici,
c'est pas tout sur les médicaments, mais le fait que la personne l'ait accepté. Accepté à bras ouverts. À bras ouverts, comme ça, pour lui l'encourager, ça lui a donné déjà une première guérison d'abord. Ça fait une première guérison. Quand tu es malade et tu es seul dans ton coin, tu vois que tu n'arrives pas à se problème. Mais oui. Quand tu vois au moins des gens qui viennent te rendre visite, le fait de te dire bonjour déjà, ça te motive. Et c'est ce que l'homme de Dieu a fait. Et j'ai dit toujours ça, c'est. Ce n'est plus une fois d'église, mais c'est une histoire de famille. Bon, à travers lui, en tout cas, j'ai dit merci à tous ceux qui font parler leur cœur. Je leur dis beaucoup merci. C'est vrai que nous sommes à mi-chemin, on a 6 séances, nous sommes à 3 séances, mais vraiment ce qu'ils ont fait, vraiment c'est encourageant. C'est grand, c'est encourageant. C'est beaucoup encourageant. Le peuple est touché, le peuple apporte. Les montants ne sont pas petits. Hein? Le premier ordonnance, c'était 152 000. Mm-hmm. Le second, c'était 108 000. Le troisième, c'est 140 400. Et ajouté à cela, l'homme ne va pas avoir plus loin parce que la dernière fois, il m'a dit non. À chaque fois que le mois finit, qu'elle vient prendre de l'argent. Monsieur, pour vous faire ses petites dépenses. Et quand on arrive souvent, il dit non, tout ce qu'il fait là, monsieur, toi, bah, il a dit, faut bien manger pour pouvoir avoir la force. C'est vrai que nous, on n'a pas tout le temps de donner, mais à partir du moment où il te donne, vraiment, c'est une grâce. Donc, nous, le mot là, ça ne suffit pas pour lui dire, mais c'est Dieu, on peut le prendre pour lui dire, mais c'est pour qu'il puisse avoir encore cette force et cette gentillesse. Pouvoir au moins prospérer. Oui, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, j'ai dit. C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a beaucoup qui font l'œuvre de Dieu. Hein. Ah, on ne trouve pas ce genre de cas là partout. Hein, où... Avant d'arriver ici, on a dit ça. Partout, on arrive. On attend. Elle-même, sa petite soeur, ils font les travaux où ils étaient. Ils travaillaient là. Son petit agent est arrivé. Le gamin qui est là, il attend la jambe provenant d'elle pour pouvoir manger là-bas. T'entends, tu es en train de prier. Quelqu'un qui est malade, il faut gêner. T'entends, jusqu'à le passage. Gêner avec ce ventre, hein? Ah, bah, là. Il fait 3 jours de gêne. Ah bon? Oui. Et ça, mais, suite à cela, il dit, mieux vaut rester à la maison. Gêner à la maison, qu'il d'aller faire ces trucs-là. Elle est partie jusqu'à Lakota. Elle a fait environ un an. Sans solution. Mais comme on le dit, hein, Dieu a tout son temps. Le temps a donné le temps pour qu'elle puisse arriver ici et puis vraiment. Arrivé l'homme, en tout cas, il a été dans la vérité, il a dit ça. À l'hôpital, on peut soigner. C'est-à-dire qu'on encourage avec la prière. Puis aller. Oh, là-bas, on dit non, ça. Voilà, là-bas, on dit non, mais si il va à l'hôpital, c'est soulevé. Il dit non, moi, si c'est ce côté-là, moi, je ne suis pas allé là. Mais là, on prie ça parce que si on accompagne à l'hôpital, ça peut aller. Donc, je tiens à vous dire infiniment merci. Merci pour la confiance que vous avez en nous. Parce que ce n'était pas évident. Donner son argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce n'est pas évident. Parce que tu ne sais pas ce qu'il s'en fait à l'argent. Soit il prend, il peut fabriquer des trucs. Mais la personne qui fait ça aussi, ce qu'il doit savoir, c'est que tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper tout le monde, mais tu as trompé Dieu. Tu te fais du mal toi-même, sans t'en rendre compte. Et demain, tu vas te dire, non, ok, bon. Bon, il disait, je suis pas là, mais il n'y a rien là-bas. En tant que c'est toi-même qui as le mal. Le mal, c'est nous-mêmes. Donc, je vous dis merci beaucoup pour la confiance que vous avez en nous. Merci au Seigneur. Continuez, terminez en beauté. C'est là que je l'ai dit. Oui, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est pour remercier papa pour tout ce qu'il fait pour moi, vraiment. Je n'arrive pas à croire, mais je lui remercie pour toujours. Que Dieu aussi lui donne toujours courage. À pouvoir supporter. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Des fois, il peut décourager. Mais Dieu lui donne force. Que l'amour de Dieu soit au milieu de nous pour toujours, jusqu'à à la fin. Gloire au Seigneur. Amen. Merci d'être venu pour faire le point, l'état d'avancement. Merci. Voilà, merci d'être là. Et que le Dieu de Papa Florent nous assiste. Amen.